députés, monsieur le président de région qui nous fait l'amitié d'être là, mesdames et messieurs les élus, monsieur le directeur général, monsieur le préfet, pardon, je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour parler d'un projet important, ici bien sûr pour ce territoire, mais qui connaît et qui peut connaître dans d'autres lieux une importance tout aussi capitale. Il s'agit de modernisation du commerce, de diversification. C'est un enjeu qui est au cœur des priorités de mon ministère. Je voudrais très sincèrement te remercier, cher François, pour ton invitation à me rendre compte de ce projet de rénovation de ce centre commercial. Puisque je crois que depuis le début de ma prise de fonction, dès ma prise de fonction, tu as évoqué ce sujet avec moi, parce que c'est un projet qui te tenait particulièrement à cœur. Et je suis heureuse de pouvoir le constater in situ, parce que la frustration, lorsque l'on a été élu local, c'est d'être dans un ministère et de ne pas pouvoir forcément se rendre compte de l'état d'avancement des dossiers, de ne pas toujours sortir aussi souvent qu'on le souhaiterait. Pour ma part, j'y suis très attachée, car l'artisanat, le commerce et le tourisme, comme je le dis très souvent, sont des économies, des secteurs d'activité économique de proximité, ancrés dans les territoires, constitués souvent de petites entreprises, et on ne peut pas gérer cela de manière trop technocratique, mais au contraire en lien avec les élus, locaux. Donc ce déplacement me donne à la fois l'occasion de parler de commerce et de l'importance que j'y attache.